Alors, messieurs, mesdames, nous sommes dans cette deuxième partie du Let's Play, dans cet épisode 2, plus ou moins, j'espère que ça sera un épisode 2. Mais nous venons de finir la première mission, nous sommes toujours sur Twitch en direct, nous sommes le lundi 30 mars, 21h16, et ça fait Maintenant que j'avais 36 repéré le minutes, je vais centre de laisser parler. production des V2, j'étais presque au bout de mes peines. Je n'avais plus qu'à m'infiltrer, neutraliser les trois cibles restantes, tout faire sauter et rentrer au bercail du gâteau. Donc, pour résumer, je suis avec mon ami Jordan. Salut Jordan. Salut. Qui m'accompagne dans cette session coop, dans ce Let's Play coop Sniper Elite V2 en mode Sniper Elite, donc vraiment le top du top. Et nous sommes sur Twitch et vous allez pouvoir revoir ces vidéos sur Act Factory, donc la chaîne YouTube qui va être une chaîne VOD plus ou moins de notre chaîne Twitch. Donc là, on a fini notre première mission. On va faire la deuxième mission, le complexe Metalwork. Alors, sache que je m'étais arrêté là, quand j'avais joué sur Steam, sur PC, quand il était gratuit. C'est une mission qui se passe de nuit, je crois, où il pleut. Et en fait, tu peux tirer en même temps que l'orage. Ce qui fait que ça camoufle tes tirs. Donc, il faut être hyper. Alors, c'est long, il faut être hyper synchro, mais ça peut être intéressant. Alors, moi, j'ai fait croire Ok. comme un con. Donc là, infiltrer le complexe. Donc là, ça va être une mission beaucoup plus chaude, je pense, que la première. Sur les armes, alors, attends, parce que là, non, j'ai pas envie de quitter. Par contre, je peux plus faire croix. Ah, je suis con. Je peux plus. Attends, si je fais croix, imaginons. Non. Bon, bah, du coup, j'ai pas pu choisir mes armes comme un con, mais du coup, je vais partir avec une Springfield. J'espère que c'est pas trop dégueulasse. Mazra qui dit on voit le boss du Longbow. Merci. Merci, merci. Alors, je suis toujours avec le juif de Jordan. On est dans ce qui s'apparente au complexe de V2. Il y a déjà un mec en haut là, ici. Je te le marque. Ah! Tu vois, en haut à droite, là, il y a un indicateur. Tu l'as Ah vu? ouais, c'est quand il y a Et le ça, c'est quand il y a le bruit. bruit. Donc, c'était pas des orages, c'était un indicateur de bruit. Donc, là, ce qu'on va faire, on va peut-être pouvoir monter dans cette tour. Pour un meilleur visu. Alors là, on va essayer de. On l'a vu dans la mission 1, il y a une forme d'analyse de la map et des objectifs pour essayer de pas se faire cramer. Parce que là, c'est vrai que si on se fait cramer dans une base comme ça. Alors le souci, c'est que quand ça se passe, en fait, quand le truc qui parle, on nous entendra pas. C'est sûr et certain. C'est tellement fort que. Alors j'essaie de pas me faire cramer. L'ambiance sur cette mission est quand même bien glauque. Ouais, c'est vrai que c'est stylé, j'aime bien. Allez, frag furtif, premier frag. Il n'y a pas de système de. On est vraiment difficile, il n'y a pas de système de marquage et tout. Ça veut dire que si Jordan ne voit pas les mêmes cibles que moi, on est obligé de se synchroniser parfaitement. Donc merci aux spectateurs qu'il y a, n'hésitez pas à follow, c'est gratuit. Pourquoi pas s'abonner? À notre chaîne YouTube ou même à Twitch, hein. Bon là c'est payant par contre. Et nous dire aussi, hein, n'hésitez pas à parler, hein, ne soyez pas timide. Bon là j'ai la Springfield et j'ai la Thompson, donc c'est des armes américaines. J'espère qu'elles sont pas trop dégueu. Là je vois, alors, attends. Je vois deux mecs là-bas. Attends, est-ce que je peux te les marquer? Non, faut que je prenne le. Regarde, je vais te les marquer là, là. Déjà dans cette tour, il y a deux mecs. Moi, je pense. L'objectif, là, je vois que l'entrée, elle est à gauche. Est-ce qu'on pourrait pas tuer les mecs sur les tours et essayer de s'infiltrer? Parce que là, je vois qu'il y a un mec là-bas aussi. Regarde, ici. Attends, pourquoi ça marque pas? Voilà, qui est ici. Il est tout seul, il fume une clope. Il y a un mec à côté du train qui est là-bas, qui marche. Et j'en vois pas d'autres. Si t'en vois un autre, tu me dis. Le complexe est pas super bien gardé. Alors on sait que c'est la fin de la guerre, mais ah, t'es seul, mon sergent Jordan. Il y a un bunker là-bas. Ah, on commence par ceux de la tour. Je pense que c'est ouais. Alors attends. On a. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais compter le nombre de secondes qu'il y a. D'ailleurs, le mec de la tour, il est passé où? Parce que j'en vois qu'un là. Je vois que celui-là. Je vois que celui-là, là. Il y avait un deuxième tout à l'heure.
4 secondes de temps de tir. Et peut-être toutes les 15 secondes. Ouais, d'ailleurs, j'ai même pas l'impression que ça soit très régulier parce que là, je sais pas si ça fait 4 secondes. Là, je vois qu'il y a deux mecs maintenant ici. Il y a peut-être un de la tour. Alors, on va essayer de se faire le mec de la tour. Ça te va? Il bouge pas. Bah, tu peux te le faire seul. Tu peux le faire et. Y'a pas d'autres ennemis, t'es là, là? Ah, je sais pas, faut voir les déplacements des mecs en fait. Écoute, je me positionner pour tuer l'autre. Je peux me faire celui à l'entrée, je pense, non? Il est assez loin des autres. Bah, comme tu veux. Et je me fais celui-là. Attends, je suis obligé. Attends. Je me suis loupé. Vraiment, je compte les secondes parce que sinon, je suis dans la merde. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Putain! Oh, il est pas sérieux! Bien joué, Jordan. Donc t'as eu le temps? Ah ouais, j'ai peut-être... Ouais. Si, t'as le temps. Le problème, c'est que... Attends. Expirer. Non, mais mes poumons, ils sont vides, là. Ça met 10 ans pour... Comment ils peuvent être vides, si t'as pas oublié? Attends. Le temps de concentration, tu le mets quand tu... quand il commence à parler? T'as le temps, franchement. Eh merde, je me suis loupé! Ah! Bon, ok, je suis vraiment nul. L'effet de corrélé, j'ai pas du tout. Putain, j'ai presque envie de recommencer là, tu vois. Est-ce qu'on peut recommencer, fais voir? On recommence? Ouais, vas-y. Là, c'est moi, c'est moi, j'avoue. Je fais de la merde. L'effet de corrélé, en fait, je l'ai pas du tout. En attendant de la réponse de votre partenaire, monsieur Jordan. Por favor. Obrigado. On a 6 spectateurs, n'hésitez pas. On va discuter sur le chat. Bon, on refait. Deuxième mission, on le rappelle, de Sniper Elite V2. En Sniper Elite en hard. Parce qu'on est des mecs du hard un peu. Donc comme on vient de le dire, en haut à droite, ça... Ah putain, mais comment il m'a... Mais c'est une blague. Bah, c'est une blague. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, c'est la meilleure. Bon, on va pas recommencer cette fois parce qu'on va pas, pas abuser. Je sais pas comment il nous a fait pour nous cramer. Là, je pense qu'il y a un petit bug du jeu. Vas-y, on peut recommencer, on a rien fait. Bon, vas-y. Alors, excusez-nous pour ces recommencements. On veut faire les choses bien pour nos viewers. Ouais, on essaie de faire le jeu assez propre, c'est quand même un minimum le but. De toute façon, le jeu est fait exprès pour que on puisse pas désinguer tout le monde en fait. Parce que je sais pas si t'as vu le nombre de balles qu'il y a à chaque fois dans les armes. Alors, arme de poing, ça va, mais je veux dire, le fusil d'assaut, par exemple, il n'en a vraiment pas beaucoup. Mmh. Non, mais vraiment, je sais pas comment il a fait pour nous voir. Seid nicht so faul. Ich kann euch von hier aus sehen. Du coup, je me fais discret. Peut-être qu'il m'a vu depuis la tour, je sais pas. Ok, frac fait chaff. Il a exactement la même arme que moi. Bon. On récapitule. Nous avons des mecs ici. D'ailleurs, lui, il peut, avec sa ronde, il peut peut-être voir le cadavre à chaque fois. Faudrait faire gaffe. Il y a un train là-bas. Je pense qu'en fait, il y a deux personnes qui font la ronde au milieu.
un mec à l'entrée et un mec sur, dans la tour là-bas. Sachant que le mec dans la tour là-bas, c'est un snipe. J'ai pas l'impression, je vois pas d'autres personnes pour l'instant. J'ai presque envie de m'avancer pour tuer le mec au snipe parce que avec l'effet de Corvus, ça risque d'être un peu chaud le fait de se concentrer, de faire le bon tir et tout, je sais pas. Ouais, tu peux, hein. Comment tu disais quoi me... Je disais tu peux largement avancer là. Ouais, je vais avancer un petit peu. Alors, je vais te là où... Par contre, toi, ce qu'il faut faire attention, c'est quand tu tues le mec de l'entrée, c'est peut-être cacher le cadavre parce que je te dis, des fois, il y a les mecs qui se rapprochent quoi. Ouais, mais après, t'as un petit muret juste derrière lui, donc je pense que tu peux juste trouver le cadavre assez facilement. Sachant que moi, j'ai pas pu choisir mes armes actuellement puisque je joue avec la Springfield là. C'est pas mon arme favorite, je préfère la car. Là, il y a des petits murets. Est-ce que je peux. Par contre, moi j'ai plus de visu. Ah ouais, mais toi non plus. J'ai plus de visu sur les mecs qui font la ronde en fait. Ah, je me suis encore loupé, putain. Bon, je suis désolé. Ah, c'est pas plus mal. Ça vient vers moi. Ah non. Et tu dis que c'est pas plus mal, ils t'ont repéré que toi, mais non, en fait. Un peu stupide, tu sais. Ok. Ah, encore du monde. Oh là 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 là. Eh merde, plus de balles de Thompson. Ah, je crois qu'il veut ton cul. Tu crois ? Putain, y'a un sniper qui veut ton cul aussi. Ok, je vois personne. J'essaie de te sauver. Ouais, y'a quelqu'un qui essaie. Ah oui, d'accord, je sais pas vers où il tire, mais en fait, il sait pas dans où je suis là, visiblement. Ok. Je crois qu'il y a encore un mec. Ah, il y a un mec là-bas là. Qui court là sur la cour. Oh le con. Ok. Bon, on va pas dire que... Je sais pas, pourtant j'ai visé plus haut, et même comme ça, c'était pas assez haut, quoi. Alors c'est vraiment... Va vraiment falloir maîtriser le truc. Est-ce qu'ici, il y a des trucs à voir? Griggs Marine. Ah, oh. Je vais vers l'or. Je ramasse un... Ouais, en plus, ce qui est bien, c'est que ça me le ramasse aussi pour moi, tu vois. Ils sont pas des chiens comme de Ghost Recon. Là, il y a des mines ici. Alors déjà... Ah, il y a un mec là-bas, là. À moins que ce soit un bug. J'ai l'impression que c'est un bug. Oui, c'est le mec qui a tué. Mais il était... Je l'ai quand même retué. Là, on peut pas monter. Ah, on n'aura pas pu monter ici, t'as vu? Est-ce qu'on n'aura pas pu s'infiltrer sans tuer personne, tu vois? Tu vois, parce que là, on aurait pu passer par là et finalement, et tuer le mec dans la tour. Là, il y a du monde là. Alors attends. Le problème, c'est que quand on court, notre battement de cœur est beaucoup plus. J'en vois un autre là-bas. Il y a un mec dans la mitraillette. Oh, en plein cœur. Je crois que la précision va pas être pareil là, tu vois. Oh là là, en pleine tête. Ok, je voulais faire le mec qui tirait sans viser, mais je crois que... Il y a un mec sur ta droite, droite du train là.
Oh le bâtard. Ah, il bouge vite. Putain, je suis nul. Ah, je suis nul. Oh putain. Bouchon d'oreille. Bon bah, c'est pas fait exprès, mes amis. Ouvrez vers là, mais putain, mais il trouve tout ce mec. Jure, c'est moi qui l'ai pris là. Je crois, ouais, je sais pas. Non. Non, c'est toi, je crois. Moi, j'étais en train de marcher normal, j'ai rien vu. Ah, bah, je sais pas, bah, moi, j'ai pas appuyé sur deux touches, alors ça doit être un truc. Non, mais t'as pas besoin d'appuyer pour avancer. Passe dessus, ça peut être un truc. Alors, moi, ce que je vais faire déjà, mon ami, je vais mettre une mine en devant le truc. Ici, là. Hop, on sait jamais, je sais pas si quelqu'un va venir ou pas. Oula, t'as l'air de prendre cher là, non? Lui taille. Y'en a un autre qui arrive. Ah ouais. Ok, bon. Pour l'instant, on paye pas trop notre. J'ai pas tellement la tête. Alors, est-ce que tu peux fouiller les corps que. Ah, non. Non. Alors, du coup, est-ce que ça te les donne aussi à toi tes trucs? Je suis pas sûr. Non. Montez. Ah, c'est quoi l'objectif là? Poser des explosifs dans le complexe. Putain, mais quel champion! Putain, si j'en trouvais aussi rapidement en vrai, je serais déjà riche. C'est clair. Et pour ça, faudrait que tu sois dans un complexe allemand, mon cher Georges Gagnon. Alors. Là, nous devons poser des bombes sur ce complexe, en fait, pour les détruire. C'est pas une mission d'assassinat. Ah, il y a des mecs qui nous ont pas vus là. Alors, attends. Là, on peut peut-être leur faire en mode scred. Donc là, il n'y a plus de système de bruit. Ce qui fait que les seuls kills qu'on peut faire sans qu'on se fasse repérer, c'est avec nos pistolets. Ou alors avec le frag par derrière, en fait. Sachant qu'il y a des pierres, on a des pierres à l'infini. D'ailleurs, je vais peut-être les prendre. Qui permet de distraire, entre guillemets. On a des jolis V2. Là, je vois personne. Ah, il y a deux mecs là-bas. Attends, fais gaffe. Il y a deux mecs sur la droite qui fait des rondes. Oh putain, il va peut-être me voir. Il y a tunnel 39 ici. Alors je sais pas où est passé l'autre, il est de l'autre côté. Alors il y a un train visiblement qui va transporter des V2. Il voulait que je mangeais tout ça! S'il vous plaît! J'ai failli me faire repérer là. On est juste à côté. Ah, c'est bien calme. Un peu trop calme. Un peu trop calme! Est-ce qu'on peut monter dans le train? Non. Dommage. Et à cause, ça part en couille, le train de GTA San Andreas. Alors. On va passer par le tunnel 40. Si vous pouvez faire exploser sans se faire repérer, ça serait absolument magnifique. Mais vu que vous nous connaissez un peu, vous avez pu constater déjà le début de la mission. C'est pas trop ça. On est à peu près sûr à aller 80% que ça va pas se passer correctement. Ok, dans les ateliers, il y a personne. Je pense qu'on a tellement tué dehors que... Bien, ils sont en post-déj. Ouais, peut-être aussi. Ils sont devant une famille en or, peut-être. Hein. Ils sont devant Papa Chouz. Papa Chouz. Ah, il y a un mec là-bas au fond. Je vois un mec sur mon côté gauche. Il y a personne. Attends. Je crois avoir personne. Non, il y a personne sur mon côté gauche. Donc là, on peut jouer un peu au chat et la souris en fait. Ah, il y a un mec là. Là. Ok, tué.
Ah, quelqu'un a tué. Ah, le mec là-bas il a entendu le tir. Je crois. Tu le vois? Sois prêt à le tuer, on sait jamais. Je vais essayer de passer moi. En étant couché. Ok, il repart. Il repart vers nous, je crois. Non, il y en a un qui arrive. Oh putain, attends. Alors le problème c'est que le pistolet en plus faut être vachement prêt parce qu'il est pas du tout précis. Attends, parce que lui il va nous baise, il va nous baise, il va nous baise. D'ailleurs j'espère qu'il va pas trouver le cadavre. Oh putain. Oh ma terre. Hein? Comment ça? Il vient vers toi, il vient vers toi. Oh mais j'ai fait. Ah non, il va voir son mec. Vas-y, go go go. Oh il est bugué. Il était bugué en plus. Il y a trois mecs là-bas, il y a trois mecs là-bas. Alors malheureusement on voit qu'il y a quelques soucis de DIA. En tout cas de bug DIA plutôt. Ok, premier explosif posé. Oh oh. Tu l'entends le quoi? Bah le truc qui fait le minuteur. Ouais. On va repasser par où on est venu. Peut-être cacher le corps, peut-être cacher les corps, non? Parce qu'il y a un autre mec qui arrive là. Ah, ouais. Vas-y, retourne. Déplace-le un peu plus derrière. Moi, je fais le sens. Je reviens sur nos pas. Ah, peut-être pas courir parce qu'après, mon rythme cardiaque monte énormément. Kanzu Gang. Alors, je parle pas du tout allemand, je sais pas trop. Alors déjà, on a pu s'apercevoir qu'il mettait pas la croix gammée sur la première mission, donc je pense que déjà il y a comment on appelle ça, mon cher Jordan, censure, une sorte de censure, même si le drapeau de la croix de fer n'est pas irréel non plus. T'as tué un mec, toi? Ouais. Je repassais par là où t'es passé, il y avait un... Attends, parce que moi je passe par où on est passé tout à l'heure, où il y avait une ronde d'ennemis, et là je vois personne. J'espère qu'il va pas me prendre au dépourvu. Parce que là il va falloir tourner à gauche. Je cache le corps. Ouais, vas-y, vas-y. Ok, là je vois un ennemi qui arrive. C'était comment pour sortir de ça? Ah oui, elle. Ah, y'a... Mais non! Ok, le mec m'a tiré dessus, les mecs là-bas l'ont pas entendu. Mais c'est trop chelou, j'étais... Attends, faut vite que je cache le camp. Ah, il m'a vu, putain. Ouais, c'est un peu abusé, là. Ok, là, ils nous ont repéré. Putain! Attends, tu sais comment il m'a repéré, le mec? J'étais à couvert. Il m'a repéré à couvert. Il y a un accroupement de nuit là-bas, là. Oh. Oh oui. Oh oui, le double coup. Là, je suis un peu deck parce que la mission se passait super bien, finalement, là. Oh, je vais mourir, putain. Ah, c'est vrai que le pistolet de loin c'est pas ouf, hein. Il y a une sorte de cell shading sur les armes, ça. Putain. Ah, écoute-moi, lui il était... Alors, je sais pas trop combien il leur faut de balles à chaque fois. En tout cas, il y avait l'air d'avoir du monde quand même. Alors, c'est ouf, hein. L'ennemi que tu es en train de tirer là, il a la spawn carrément. Je l'ai vu avec la lumière. Ah ouais? Ouais. Pas possible, ça commence à être comme Ghost Recon. Ouais, c'est vrai que l'IA est un peu. Bon, après, Ghost Recon est sorti parce que je pense que. 10-15 ans après, tu sais.
Est-ce qu'on est, on cache tous les corps ou pas? Parce qu'on aura vraiment... Je sais pas, il y a un mec derrière là, il sait pas où on est. Sur notre droite. Non, je pense que les corps ça sert à rien là. Ah, je te jure, tu verras la vidéo. Putain, j'étais à couvert et tout. Je l'attendais en fait, j'attendais qu'il s'avance pour pouvoir lui mettre une balle dans la tête là. Et là, sur le coup, ouais, je suis un peu déçu. Alors, j'avais pas d'arme qui dépassait, enfin, je sais pas. Mais on peut noter que pour l'instant, on a toujours pas perdu en étant mort. Donc, rien que ça, c'est une petite réussite. Pas mal, c'est pas mal. Ouais. On va pas se mentir. Donc, tunnel 38. Est-ce qu'il y a du monde ici? J'ai pas l'impression. Je vais prendre mon pistolet au cas où. Il me reste 11 balles. Ok, je crois qu'il n'y a plus personne. Hein. Je suis pas au bon endroit. Non, je suis pas au bon endroit. Ah, je crois qu'on a tué tout le monde en fait. On s'en est fait une dizaine, je suis sûr. C'est clair. Côté, là. Les autres dorment en fait, c'est ça. Je pense que peut-être le dernier truc est sur le train, non? Ah non. Ah ouais, rien tous les mecs. Ah oui, du coup, je ramasse la MP40, ouais. Oh putain. C'est toi qui as activé un truc? Non, j'ai rien touché. C'est marrant. Ah, c'est pas mal ça. Petit truc qui s'active comme ça. Alors. Ah, c'est le truc en rouge. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Nouvel objet. Localiser le bureau de Schweiger. Bon, du coup, ça devrait pas être très compliqué puisque. On a tué absolument tout le monde. Quoique, après, c'est pas interdit qu'il y ait un respawn d'ennemis. Éventuellement. Peut-être. Déjà là j'ai entendu un ennemi. Ah oui, effectivement. Ouais, au fond là, tu l'as vu ou pas? Courir, tout au bout. Ouais. Je crois que les renforts sont arrivés. Ah, y'a un mec au bout là-bas, je le vois là. Bien joué. Je suis passé par la droite, moi. Alors, attends. En fait, c'est juste tu baisses le son de mon ordi, comme ça. Y'a pas de doublon. À fond. À fond. À quand les récompenses sur le chat de la chaîne? Ne m'imagine pas. Quelle récompense? Les récompenses. Dis-nous en plus. Oh putain. Y'a encore des mecs, hein, je crois. J'entends encore des Allemands là. Ouais. Choper-le. Okay. Ah, ils sont dans le tunnel 40 là. Ah, je crois qu'ils... Je sais pas trop comment ils m'ont entendu. Ah, je sais pas s'ils m'ont entendu. Ouais, si. Ok. Encore... Il est où le bureau du mec? Parce que... Oh, il y a un mec au bout là. Alors, il est par là. Ah non, il est de l'autre côté. Oh. Côté tout. Là, il doit être à droite, là-bas. On le voit. T'as vu, il y a une sorte d'explosion là, je sais pas si t'as fait gaffe. Les émoticônes de la chaîne, etc. Mais les émoticônes, ça arrivera... Quand bah en fait, on est... Ma chère Popo est en train de faire des émoticônes, mais on s'est aperçu que... On avait un problème de droit d'auteur. En fait, on peut pas utiliser des trucs de jeux vidéo, donc faut qu'on refasse en fait. Enfin, faut qu'elle refasse. Donc faut qu'on trouve une idée d'univers et tout pour que ce soit cohérent.
Enfin n'importe quoi. Ah oui, c'est là-bas que ça a été ouvert, c'est pour ça qu'il y a de nouveaux ennemis. Alors le fantôme, on va se calmer sur les... sur les nerfs. Là, ou bien, salut Boubac. Il peut être pas dans ton cœur, mais quand même. Ah, je crois qu'il a dû coucher avec sa mère ou un truc comme ça, parce que à ce niveau-là... Alors, on est dans une salle, on doit trouver le bureau. Ça va être à droite, là. Ouais, ouais, ouais. Ouh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Il y a des trucs à exploser, à mon avis, ça sent pas bon. Alors, les fusées font un peu penser à celle de tête, hein. Ah oui, mais c'est parce que, voilà, en fait, la map, je vois, parce qu'en fait, je te dis, dans Army, dans Zombie Army, ils utilisent des maps du jeu, en fait. Ça, c'est un endroit que j'ai déjà vu, tu vois. En fait, je l'ai vu dans Zombie Army. Ah, tu penses qu'il faut monter par où t'es monté, là? Non, c'était juste. Ah, parce que je vois que c'est une sorte d'étage, alors je sais pas trop. Ah, si, il y a un escalier, là-bas, ok. Il y a pas trop d'ennemis. C'est vrai qu'on en a tué pas mal, on a tué peut-être une trentaine. En fait, le jeu, pour l'instant, il n'est pas difficile quand on shoot tout le monde, tu vois. Mais en termes d'infiltration, ouais, il est chaud quand même. Sachant que, en fait, si tu veux, quand je vise, tu vois, ça ressemble à un truc comme ça. Je dois me concentrer avec R1 pour faire un sort de mini ralenti. Et en fait, avec l'effet de Coriolis, il faut que tu tires un peu plus haut. Mais en fait, quand t'es en mode normal, tu vois où ça se situe, si tu veux. Quand t'es en mode concentration, pardon, quand t'es en mode concentration, il te dit un peu où c'est. Et là en mode Sniper Elite, il te donne aucune indication, donc tu tires un peu à... Et donc au début on s'est fait un peu cramer sur ça quoi. En attendant d'un autre joueur. J'aime bien le mec qui s'arrête. Ok, cinématique. Et là à mon avis ça... C'est impossible de mettre la main sur les scientifiques. Mais j'espérais encore trouver un indice qui me mènerait à eux. Oh. Toujours un Müller dans l'histoire. Grave. C'est Thomas Müller. Alors, il parle allemand, il a la coupe allemande. Et ben, il veut pas nous dire ce qu'il dit, tu sais. Oh ouais. Der schafft es, ist es. Allez, comme... Au lieu de lui tirer dessus, tu sais. Oh l'enculé! Toujours se coucher ou près d'une fenêtre? Alors, déjà, peut-être un truc malin, ça serait de mettre une mine antipersonnelle là. Du coup, attends, j'en foutre une. Alors, pour une fois que c'est pas à cause de nous qu'on a toute la cavalerie, rien que ça, c'est une perte. Alors, attends. Comme quoi, il y a des moments où ça réclame. Oh là 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 là. Oh là là. Mais oui, messieurs, c'est deux tirs loupés. Complètement loupés. Alors. Ah, t'as vu, il compte. Ah, tu l'as vu ou pas? Ouais. Ah, excellent. Il y a un mec en haut là. Il faut me le faire. Ah putain, j'ai pas pu. Oh, je crois que nos trucs ont explosé. Exfiltrer la zone. Ça commence à chauffer pour tout le monde. Je crois que je vais te faire ma première victime dans le truc. T'as pas un bruit assourdissant là? Sauve-moi s'il te plaît. Merci. Oh, putain, c'est vraiment vraiment dur. Est-ce que je peux reprendre ma mine personnelle? Non. Pourquoi j'y arrive pas? J'arrive à voir personne, je te jure, t'as tout tué.
Ah, c'est un mec en haut, c'est ça? Ouais. J'aime bien, il y a le médecin qui est venu sauver son allié. Il a pris sur ses bras, j'ai tiré sur le mec qu'il avait pris dans ses bras, après je l'ai terminé. Oh le sale. Putain, t'es vraiment un gros salaud, toi. Ok, j'en ai tué un. Ah le bâtard. Oh là là. Blessé. Attendre que quelqu'un le récupère. Personne? Oh, allez, vous. Alors c'est bien ce qu'avec la Springfield, c'est qu'elle se recharge assez vite quand même. N'hésitez pas à nous follow hein, les personnes qui regardent, là je vois qu'on est 8 spectateurs. Ouh, ça explose de tous les côtés. Oui, les Allemands avec des manteaux imperméables, ça veut dire que ça... Oh, magnifique. Ok. Là, je suis pas sûr que les Allemands viennent nous chercher. Peut-être qu'ils vont attendre la sortie. Ce qui serait beaucoup plus judicieux de leur part. Ouais. Ah, il y a un mec à gauche là. Ok, bon. On a plus à s'en faire. Hop. Ouais, ouais. Je devrais être mort nu, quoi. Oh là 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 là. Les explosions bien PS3. Ah là, il y a déjà tous les cadavres qu'on a tués tout à l'heure. Oh, il y a un snipe là-bas, fais gaffe où on était tout à l'heure, au tout début. Oh le bâtard. Ah, je t'ai touché à travers le truc, non? Ah, moi, faut que je prenne ma... Oh oui! Oh, je l'ai tué sans même regarder dans le viseur. Ça, c'était gratuit. Ah, il y a un véhicule. Laisse-le, il a une mine. Laisse-le venir, il a une mine. J'avais mis une mine tout à l'heure. Ah, mais il s'arrête là-bas. Ok, laisse tomber. Ok. Oh là là. Heureusement que Jordan il sait mieux de tirer avec moi parce que honnêtement c'est pas Jojo. C'est pas Jojo contrairement à Jordan. Aïe. Bien joué. J'en vois plus. Je sais que dans les autres Sniper Elite, tu peux faire péter les bagnoles. Ouais, bah même là, mais tu sais, ça se monte bien en fait. Aïe aïe aïe. Il y en a deux, un à droite, un à gauche. Lâche-toi. Putain, mais je les vois pas, oh. Un gens qui vient me regarder, il doit se dire, mais qu'est-ce qu'il fout? L'autre, je sais pas où il était. Je crois qu'il est derrière la maison là. Le snipe, oui, je l'ai tué tout à l'heure. Ah, lui, il aurait dû faire ça semblant de mourir, tu sais. Semblant d'être mort. Yeah. Ouais, bah, mieux valu pour lui. Je cours plus vite que toi, t'sais. Et voilà.
Mission terminée, non sans mal. Deuxième. C'était pas facile facile, hein. Et t'as fait un meilleur score que moi. C'est mérité, puisque sur le truc où il y avait l'explosion là, tu sais, quand vous venez de se faire repérer, je te jure, j'en ai pas tué, hein. C'est un truc de fou. Ah putain, j'en voyais, je tirais sur, à côté de l'épaule et tout. Ah non, mais je te jure. 85%. Précision des tirs à distance, 85%. Fracture type 0. Ah, ça c'est pour moi du coup. Ah, mais je sais pas, parce que moi j'ai. Ouais, parce que moi, précision, je suis à 68. 68%. Ah. Et distance totale de tir, t'as combien? 1190. Tir à la tête 2, frag feature 2. Score 17750. Frag par explosif 1. Par contre, t'as vu, ils disent total des ennemis marqués. Faudrait voir si on peut marquer les ennemis quand même, tu vois. Intéressant. Bon, je vais arrêter l'enregistrement pour la mission 2. Mais le live continue.